Voilà, de retour toujours sur le stand Callaway. On fait pas mal de promos quand même aujourd'hui. C'est pas mal. On vous gâte, mais en fait vous êtes gâtés puisque je pense qu'on a couvert tout le salon et que je pense que vous allez avoir la base vidéo de toutes les nouveautés matérielles de l'ensemble des constructeurs sur le site legolf.com. Et il n'y a que legolf.com qui vous propose ça. Et parce qu'on aime vous faire plaisir et on aime être au cœur de l'actualité. On va retrouver la série femme. Tu nous la présentes ? Voilà. Toujours chez Callaway, évidemment. Toujours chez Callaway. Donc là, on se retrouve avec un sac un peu entier. Hein. C'est-à-dire, on commence avec les fers, la Big Bertha classique, hein, où on va retrouver on le sand. On va les sortir pitch, pour que ce soit plus facile pour le caméraman. Bien sûr. Le sand wedge, le pitch, d'accord, le 8. On va les sortir. Hop. On va les montrer. Et le 9. Alors, c'est clair que c'est confort, confort, confort. Hein. Donc voilà, on est sur du confort. On essaye de trouver un peu de sensation, bien sûr, sur les petits clubs. Et ce que nous allons retrouver, vraiment grosse épaisseur de semelle. Je pense que n'importe quel swing lent se satisfera de ce genre de club. Je pense que c'est tout fait à pour fait. Ça. Hein. Exactement. Donc, je te laisse continuer ta démonstration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le 7, on va retrouver des clubs encore plus gros, à la limite de l'hybride, voire un hybride. C'est-à-dire sur le 5, le 6 et le 7. On est sur des clubs, vous voyez, avec une semelle très épaisse, mais quand même une grosse cavité à l'intérieur. On n'est pas sur un hybride plein. Toujours pour garder quand même un minimum de sensation à l'intérieur. Mais il est sûr que sur les petits clubs, sur les grands clubs comme ça, bien fermés, il est beaucoup plus dur d'avancer et il vaut mieux avoir un peu plus de poids en tête et un peu plus d'épaisseur. Alors la série est vendue avec le sac, etc. ou c'est complètement à part? Donc c'est... Alors à la base, non, c'est vendu. C'est vraiment à part. C'est une, série, hein. Une série classique. C'est vendu en fait, à part. Hein. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Si on ne pas abîmer. Il reste... Donc dans la série, évidemment, on trouve les bois. Voilà, exactement. On retrouve les bois, et l'hybride. Le driver. Et l'hybride. Hein, d'accord. Que donc l'on retrouve ici. Tout ça, c'est indépendant. Je suppose qu'on n'achète pas une série complète. Exactement. Hein. Alors, non, tout à fait. Ça, après, vous allez les trouver bien sûr à l'unité. Donc, sans problème. C'est la série X. Alors, X, c'est le seul hybride que nous allons avoir pour mesdames pour l'instant. D'accord. Donc, c'est celui qui va être présenté dans le sac spécial femme. Je vais le montrer. Mais pour tout le reste, on reste sur la collection Big Bertha. D'accord. Donc, classique, connu. Exactement. Qui a quelques années déjà. Voilà, et qui évolue, hein, bien sûr, tous les deux ans, avec toujours des avancées au niveau technologie. D'accord, on ne va pas y rester longtemps parce que ce n'est pas une nouveauté. Très bien, merci. En tout cas, on vous a présenté avec ce joli sac, donc sac qui est vendu à part, évidemment, sac qui permet de porter, qui est un sac d'homme d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un sac de femme. Mais bon. Tout à fait. Donc, on se retrouve dans un instant pour encore quelques petites nouveautés Callaway, c'est pas fini, à tout de suite.